Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va répondre aux questions des exercices de la page 177. Alors, je commence par l'exercice numéro 6. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. إذا نطلب أن نضع علامة على الجملة اللي عندها نفس معنى le même sens يعني نفس المعنى الجملة المقتطفة من النص. Alors la phrase c'est le zoo de Rabat est immense يعني حديقة حيوانات الرباط كبيرة جدا أو لا فسيحة ولا شاسعة. Alors vous avez quatre propositions. La première phrase le zoo est petit, يعني حديقة الحيوانات صغيرة. La deuxième phrase, le zoo est vaste. La troisième واسعة ولا فسيحة. La troisième phrase, le zoo est organisé, يعني حديقة الحيوانات منظمة. La quatrième phrase, le zoo est très grand. يعني كبيرة جدا. Alors, la phrase ou bien les phrases qui ont le même sens que la phrase du texte est la deuxième phrase, le zoo est vaste. Et la dernière phrase, le zoo est très grand. Alors, je vais cocher ces deux phrases. La question 7 complète, atmim, la phrase, al-jumla, avec la bonne expression. Alors, voici la phrase, tu peux jouer au zoo. يعني يمكن أن تلعب في حديقة الحيوانات. Alors les deux expressions A et B car il y a une aire de repos لأن هناك فضاء للاستراحة. La phrase B bien l'expression B car il y a une aire de jeu لأن هناك فضاء للألعاب. Alors bien sûr la bonne expression est B car il y a une aire de jeu. Je lis la phrase maintenant. Tu peux jouer au zoo car il y a une aire de jeu. Alors, on passe à l'exercice 8. Recopie le texte en remplaçant chaque dessin par le mot qui convient. Alors, voici le texte. Vous avez ici trois dessins. On doit remplacer chaque dessin par le mot qui lui correspond. Je lis. Avant d'entrer au zoo, j'ai pris une photo de la statue du. Alors, j'ai pris une photo, يعني التقطت صورة, de la statue, l'itimtel, du. Alors ici, le mot qui correspond à ce dessin est lion. La statue du lion. L'asad. إذا التقطت صورة, l'itimtel, l'asad. De l'atlas, puis j'ai acheté le ticket. ثم اشتريت, j'ai acheté le ticket, يعني تذكرة d'entrée, تذكرة الدخول, au guichet, fi ashubak. Voici le texte. Alors, j'ai déjà remplacé chaque dessin par le mot qui lui correspond. Je lis. Avant d'entrer au zoo, قبل الدخول إلى حديقة الحيوانات, j'ai pris une photo, التقطت صورة, de la statue du lion de l'Atlas. Alors voici le premier mot, du lion. Li timtel asad al-atlas. Et j'ai acheté, ou ashtareitu, le ticket, tedkira, le ticket d'entrée, tedkira tedkhol, au guichet, yani min shubak, hadiqat al-haywanat. Je passe à l'exercice suivant, l'exercice 9. Complète atmim avec les adjectifs bistimal sefa ou lanat comme le modèle mitl annamoudaj. Alors voici la phrase. Le zoo est immense. Hadiqat al-haywanat shasi'a et les animaux ou al-haywanat sont très beaux. Jamila jiddan. Alors la deuxième phrase. Le lion de l'Atlas est. إذا نطلب أننا نستعمل واحد الأدجيكتيف يعني واحد الصفة ولا واحد النعت نوصفو به لو ليون دو لاتلاس. Alors on peut dire est féroce. Le lieu de l'Atlas est féroce. Ça veut dire مفترس. Et le flamand est rose. Le flamand هو داك الطائر النحام الوردي. عادة تنقولو le flamand rose. Je relis. Le lion de l'Atlas est féroce et le flamand est rose. Le dernier exercice, l'exercice 10, reconstitue
les phrases puis recopie-les. إذا مطلوب أننا نعيد تركيب هذه الجمل ثم ننقلها في هذه الأمكنة المخصصة لها. Alors vous avez ici des mots en désordre, كلمات مبعثرة. Vous devez les mettre en ordre, يجب إعادة ترتيبها pour former des phrases correctes كي نكونها أو كي نستطيع تكوين جمل صحيحة ومفيدة. Alors je lis les mots d'abord. Zo, visiter. يعني زو حديقة حيوانات visiter زورتو في الماضي j'ai de Rabat مدينة الرباط le alors le premier mot est j'ai visiter زورتو j'ai visité le 3 4 زو يعني حديقة الحيوانات 2 5 Rabat 6 je relis la phrase j'ai visité le zoo de Rabat. Voici la première phrase en écriture cursive. Je passe à la deuxième phrase. Vive, libre. Alors ici, ENT ne se prononce pas. Libre, les, des, zones. Zone, c'est limité, mahdouda, par, dans, grillage, siège, animaux, hayawanat, des. Alors le premier mot, les animaux, 1, 2, les animaux, vivent, numéro 3, libres, dans, 5, 6, des zones, dans des zones, limitées par, 9, des grillages, 10, 11. Je relis la deuxième phrase. Les animaux vivent libres dans des zones limitées par des grillages. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.